Ça va les petits gars? Oula, on voit rien. Vous êtes dans une niche. Salut. Ça va? Bon les gars, en ce début de vidéo, j'ai envie de vous parler de cette petite marque que j'ai reçue il y a une semaine. Et j'ai pu commencer à tester les petits produits. Faut que je vous en parle parce qu'ils sont vraiment tip top. Vraiment, mais vraiment. Regardez tout ce que j'ai reçu. Hein. Hop, là j'ai mon petit gel nettoyant que j'ai mis dans ma baignoire. C'est un petit gel nettoyant exfoliant pour le visage. Nickel. J'ai reçu la petite eau micellaire, le petit tonique acide. Et le truc super cool, c'est que vous êtes sur le site et vous répondez à des petites questions selon votre peau. Et en fait, ils vous envoient tout le pack produit adapté à votre peau. Et je trouve ça hyper cool. Genre moi, j'avais besoin de... pour les cernes, de toute façon, vous... je crois que vous voyez mes cernes. J'ai pris pour les cernes et j'ai aussi pris des produits pour tonifier ma peau. Parce que ma peau, elle est un peu fade, je trouve. Genre, elle est un peu grise. Regardez. Regardez tous les petits sérums qu'ils m'ont envoyé. Hop. Tout ça, là il y a ma petite crème hydratante que je teste depuis, ça fait une semaine et demie que je la teste bien. Et je la teste avec le petit sérum auto-bronzant. Il y a un petit sérum auto-bronzant que j'utilise et je vous jure, genre c'est pas un auto-bronzant hyper fat, vous voyez, vous êtes pas orange du tout. C'est un petit sérum à mettre dans votre crème hydratante et c'est hyper naturel. Genre ça fait une semaine que j'en mets, je suis plus pimpante qu'avant. Du coup j'ai ça et en fait il y a une gamme pour le matin et une gamme pour la nuit. Et à chaque fois il est tout marqué, vraiment il est vraiment tout marqué derrière. Le sérum visage antioxydant c'est pour le matin et le soir. Là il y a l'huile pour visage pour le matin. Là poche et cerne, ça je le mets matin et soir. Le sérum visage éclat matin et soir. Ça c'est que le soir, je le mets que le soir. Et ça sent l'odeur, les huiles essentielles. Ça sent super super bon vraiment. Et du coup ouais les grands formats. Ouh la merde. Je fais que des conneries. Ça, j'aime bien le mettre le soir. Je sais pas si c'est le matin aussi. Ah non, c'est que le soir. Ça, votre peau avec ça, elle est super fraîche. C'est un tonique exfoliant. Appliquez quelques gouttes sur un coton et passez sur le visage préalablement, nettoyer et sécher le soir uniquement. Ça, c'est trop cool. C'est vraiment, vous le mettez, vous êtes hyper... super frais. Là, j'ai la petite... Bah, je vous l'ai dit, le petit gel nettoyant. Et là, c'est une petite eau micellaire que je n'ai pas encore testée. Parce que je termine celle que j'ai eue avant et je testerai celle-là. 96% d'origine naturelle. Super cool. Le gommage visage à l'huile de rose musquée. Ah ouais, ça sent super bon. Regardez. J'adore. Ah oui, il y a des petits grains. Regardez. Je suis sûre que ça marche d'enfer, ça. Et vraiment, quand on m'a envoyé le petit questionnaire pour répondre à toutes les questions sur mon visage, je trouvais ça trop cool. Que vraiment, ça soit vraiment propre à vous. Genre, si vous avez des problèmes d'acné ou des problèmes, je sais pas, de sébum, ou des problèmes de peau sèche, et ben vous le notez sur le site. Mais du coup, on va faire la petite routine ensemble. J'ai envie de voir si elle sent bon. Hop. Ça va, les petits gars? Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais filmer pendant, je dirais 2-3 jours parce qu'il y a Lulu, ceux qui ne savent pas qui c'est Lulu, c'est ma sœur, qui est venue avec son copain pendant 5 jours à Rennes. Et du coup, j'ai envie de filmer tout ça. Aujourd'hui, on va à Saint-Malo parce que Saint-Malo, c'est super cool. Regardez les gars, je vous ai pas montré. Nouveau tatou. Nouveau tatou. Après, on l'a séché et du coup, je vais mettre ma petite crème hydratante. Alors déjà, je vais mettre mon petit truc pour les cernes. Hop. Et vraiment, il décongestionne les cernes de ouf. Hop. On tabote. Surtout les gars, ne pas étaler son sérum pour les cernes. Faut toujours taboter sinon ça ne sert à rien. J'ai vraiment des grandes cernes, hein. C'est ouf. Et vraiment je trouve que mes cernes, elles sont moins voyantes qu'avant. J'en mets un petit peu au-dessus des paupières, vu que c'est un contour des yeux. J'aime bien mettre mes sérums dans ma crème hydratante, je trouve ça trop cool. Hop. Je mets toujours sur ma main. 1, 2, 3, 4. Hop, et je mélange sur ma main. Et après, hop, je mets... mon visage. Et la crème hydratante, elle est super bien. Oh, le sérum, il sent super bon. Hop, on descend bien dans le cou. C'est tout frais et tout, j'adore. Je vous mets le lien du site de Typologie en barre d'infos. Et je kiffe aussi le packaging. Ils sont super mimes. Voilà, voilà. De toute façon, là, je vais me maquiller, je vais me faire les cheveux, parce que je les ai lavés. Et on se retrouve juste après, les gars. Combien je tardais? Ça, c'est quoi? Et ça vient de Maison du Monde. Je sais pas si c'est Petit qui me l'a offert. J'ai failli te l'acheter aussi. Mais non. Et t'imagines la Maison du Monde, j'ai failli acheter que des trucs que t'as ici. Et tu sais que je ressemble à Gilbert Montagné comme ça. Ah, je peux pas enlever mes lunettes, je suis trop moche. Ouh. Ouh la penderie. Elle est belle hein. Mais je suis vraiment... Et je suis vraiment atroce. Heureusement que t'as mis des lunettes meuf hein. Lulu elle a pas ramené beaucoup de vêtements. Lulu elle a ramené une culotte.
On est depuis 7 alors qu'on est là 5 jours. T'as peur de te chier dessus ou quoi? Et c'est quoi ça, c'est décompensé d'une vieille de 90 ans genre? Alors ça tu devrais mettre un sondage dans la vidéo. Mais arrête, c'est genre, super t'as quel âge quand tu... Ah mais ça... C'est super non, beau. Non mais ouais. Ça c'est des trucs orthopédiques en fait, pour les problèmes de yep hein. Par contre celle-là c'est pas pour les problèmes orthopédiques hein, celle-ci. Celle-ci elle fait vraiment un pied de danseuse. Très fleuri aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on va au golf. J'ai jamais fait de golf de ma vie. Toi, t'as déjà fait? Ah oui, t'as déjà. On va golfer avec le petit Fab. Ouais, normalement il y a Bouzier et Fab qui seront là-bas. Et je vais vous montrer tout ça parce que je n'ai jamais fait de golf de ma vie. Vraiment, je ne sais même pas comment ça se tient le club. Le club. Peu chez nous, merde. Mais par contre, nos outfits, super. Ton cul là. Oh la vache. Fabien, je filme là. Oui, oui, quand c'est vrai que c'est filmé. Ouais, je suis bien, ouais. Ouais, ouais. Sur la grande patrouille. Oh la vache. Okay. Oh. Mais c'est bien. Là, non en fait, c'est bien que soit. C'était bien, là. Tu vois, t'es bien sur des appuis. Non, faut que t'arrêtes au bout d'un moment. T'arrêtes de trembler. Oh la vache. Oh là là. Genre bien, tu sais, faut que tu sois bien, bien devant. Oh la vache. Il a dit on coupe pas du bois. Oh. Ouais, parce que je suis grand. Ah. Et du coup, je suis grand. Je avec des petits pieds comme si je faisais des balles. Tu poses ton club devant la balle. Voilà. Et en fait, tu t'entraînes à... C'est super lourd la balle. Ouais. Ah, t'as chassé la mouche. Oh, y a un truc. Attends, ça va sur un autre trou demain, je rêve là. Y a un truc. Je crois que j'adore. Je crois que je kiffe le golf. Ah ouais. En plus t'as le style. Oh bordel. Ah ouais. Oh. Alors celle-ci, elle était belle. Vous avez pas vu. Ah non. Moi j'ai tout vu. C'est la première qui décolle. À toi. Ah non, je me suis ça. Si, Lulu. Non. Je pense que je vais ça, revenir plus souvent ici. Ah ouais. Ah j'adore. Oh je te jure j'adore. Je bah, kiffe. J'adore. Julien j'adore. Tu vas regarder des vidéos YouTube de golf? Ouais je crois. Je fais attention parce que moi je suis en compète donc je pouvais pas trop me prendre la place. Là j'ai un plan stylé de fou malade. Je peux peut-être suer des fesses si possible. J'ai un plan stylé là. Oh bordel. Ça, t'as tendu la pelouse. 900 balles objectif. Hop là. Il est tellement parti haut. Waouh. Pourquoi pas. Bah oui, il est stylé hein. Là, il est beau. Elle est où? Ah là-bas, là-bas malheureux. Là, tu commences à t'expliquer après l'an. J'en réfléchis. Tac. Triangle. Attends. Oh là. Crapaud. Oh, comme ça, et après tu la touches. Oh. Les mecs, après quand ils jouent bien, dès c'est que super prêt. Hop, à poil, nous en vont en enfer. 70 compteurs. Wouh. Danger, un danger sur la route. Pas du tout. Un danger. J'ai vérifié mon pas mon du tout, t'as jamais fait ça. Si, j'ai fait ça. Non, t'as jamais fait ça. Si, vous allez bien vous faire foutre de critiquer ma réponse là. Tous les abos ils t'ont vu là. Oh le chétan. J'ai envie de mourir là. Tu nous mets une petite axelle là pour qu'on voit les 250 chevaux de la Swift. Tu te fous de ma gueule là. C'est Raoul. C'est Raoul avec sa F430. Oh il est claqué au sol. Quoi? Salut à tous. Aujourd'hui on va manger barbecue. On est à là les amis. On se fait un barbecue. Je sens non, mais là c'est super. Là. Je sens fort que c'est cramé. Oh, tu sens fort aussi. Hein. Oh la vache. Ah, mais ça, effectivement. Ouais. Ça pue de lag ici. Ah, c'est très cramé.
C'est trop cramé, regarde. Non, non, c'est juste visuel. Non, non, c'est super cramé. Je fais une transition stylée, regarde. Hop. Attends, t'as fait ce bloop. Oh, la transition. Bien, les gens. Aujourd'hui, on va vérifier le frigo d'Apo. Mais ça, c'est tiramisu. C'est pas un frigo de végétarien. Tiramisu que j'ai fait ça. Tiramisu. Ah, elle a l'air pas mal, hein. On va en pouvoir en goûter, mais j'aime pas le café, moi. Tu mets quoi dans les portes? Normalement, c'est les pots, les condiments. Ouais, tu sais, le beurre, les trucs comme ça. J'ai une petite barquette où je mets les œufs aussi. Beurre, demi-sel? Ouais, demi-sel. Ouais. Et depuis que je suis en Bretagne? Ah ouais? Sinon, j'aime pas avant. Et maintenant, tout en beurre demi-sel. Bah, de Bretagne. Ah ouais. Mozzarella. Ah non, c'est de la burrata. Non, mozzarella. Et ça là, ça, tu mets ça dans le barbecue là. Ah, dans la braise. Incroyable. Dans la braise, ouais, ouais. Le camembert, ça. Ça, c'est ton truc. Ton... Ouais, c'est un mauvais, ouais. Avec des 3D. Avec des 3D. Oh, putain, mais tu connais, toi. Ah ouais, mec. Bah, t'as oublié de pété. Aussi. T'as pas vu ça? C'est le petit tout douce, là. Totalement là. Premier panaché pour Apo. De ma vie, hein. J'ai jamais goûté panaché. Mais t'as l'impression que tu vas finir pour rien. Donc c'est de la limonade avec de la bière. C'est bon, hein. C'est bon, hein. C'est super bon. Bah oui. Bah c'est un Monaco sans grenadine. C'est bien la respect. C'est le meilleur. Mais ça a pas le goût de bière du tout. C'est qui ce beau gosse là, dis donc? Plutôt charmant cette petite barbe là. Non, attends, ils sont un peu sales. Hop là. Waouh. T'as mangé un la mort. Mais je pue pas de la bouche, je vous jure. En plus, j'ai mangé des scrambles au grillé. Mais Pidi, à ta tête, ça se voit que tu pues de la bouche. Arrête. Mais... Fromage dans le... Oh. Wouh. C'est Fab et moi qui l'avons fait. Oh, on n'a pas fait camembert. On va le faire. Mmh. Mais après le tiramisu. Oui. Quoi? Mais c'est pas l'ordre. C'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est... Regarde, Bouzy. Ça, c'est quand tu dégalotes. Oh, tu dégoûtes. Ah oui. Faut toujours laver. Bah oui, mais... Mais faut le faire tout le temps. Quand tu bah, ah bah oui, sinon t'as des champignons là-dedans. Arrête. Bah, arrête. Tous les jours? Bah quoi, tu as bah, tous les jours. Bah, attends, je te montre, alors attends. Elle est pas mal celle-là. Ah, ouais. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, je me décalotais pas. Ouais. Et du coup en j'avais fait, peur, j'avais peur. Il y avait du fromage. C'est, en fait c'est resté, ça a pris forme de mon zizi, ça se décalotait plus. Mais il faut le faire à partir de quel âge? Bah tout le temps. T'es plus jeune, non? Ah bon? Dès que tu prends une douche. Bah du coup bah... Sauf si t'es circoncis, t'as pas besoin. Du coup décaloté sur la douche. Ah parce qu'on apprend des choses hein, pendant les soirées d'abord. C'te pince. Merci. Tu goûtes quoi là? Salut la cam. Tu l'as fait ici là? Ouais, on l'a fait là. Bah à devant la vidéo. Comme ça, hop 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 hop. Ouais ouais, c'est hop, vrai là. J'arrêtais pas de tout bouffer. Manger des barbecues chez Apo, c'est super bon. Ça sent le camembert là, ça sent les pieds. Sans Bouzy, sans. Waouh. On dirait une chatte pas fraîche. Là t'as pris le tiramisu après le. Avant le fromage. Oui, c'est pour les papilles gustatives. Ah. Vas-y. Là tu rends. Et là tu rends. Oh, allez go. C'est go. Oui, oui, là c'est go. Sa mère. Chaud devant. On enlève le petit capuchon là. Chaud devant. Ah ouais, non, mais... J'ai envie d'appuyer avec mon doigt. Attends, oh. Ah ouais. Ma, 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 je tape très bien dedans. Mais je vais m'en resservir. Sa sœur à la sortie. Je replonge mon pain. Putain, ma, regarde. Ma, je retaperai bien. Regarde dedans. Comment il est blanc. Oh là là, oui, t'as le goût blanc. Il est délicieux. T'es à 500 degrés. Non, là, c'est bon, là, regarde. Attends, mais t'es à 500 degrés. Oh, je retaperai bien dedans. Waouh. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ça dégouline. Il est coulant à souhait, gros. Oh là là, les cochons. C'est bon là du coup. On voit quand même, il y a un petit goût de vieux. Elle est âgée. C'est vrai qu'il sent très fort en tout cas. Vous avez pas l'odeur, mais. Mais t'as pas goûté? Bah non, non, je goûte pas. J'ai mangé un tiramisu avant. Oh, il était pas mal celui-là. Je m'as pété sur la main. Synonyme de péter. Perlouse. Un tonze. Louffé. Tonzé. Ouais, louffé. Ouais. Tonze. Ouais, louffé. Louffé, je connais. Lâcher un gaz. Péter, bah non. Se lâcher. Se lâcher, une caisse. Une caisse. J'ai flatulé. Flatulé. J'ai prouté. Prout. J'ai prouté. J'ai Flatulé, vous avez dit? Je l'ai dit, flatulé. Okay. J'ai marqué le slip. Voilà. J'ai marqué le slip. J'ai drifté. J'ai drifté. Qu'est-ce que ça dit, le petit bac? Ah non, vous avez pas encore commencé? Non, on a pas commencé. Attends, mais t'écris vachement bien, toi. Attends, mais vous écrivez toutes les deux bien? Ah ouais. Bah, comme normal. Une marque en I, les amis. Une marque en I. Isaac. Oh putain, Isaac. Dis Siri. J'ai mis Inès. Isaac. C'est Isaac. C'est un Y qui est sur un animal hippopotame. On a mis...
plein de tatouages. C'est ma date de naissance. C'est super beau et c'est sa date de naissance. Tu vlogs bancal là. Journal de bord. Vas-y toi. Ça va la râleuse là? Putain c'est hyper lourd, j'aime pas ça, c'est chiant. Si vous voulez, on peut faire un reveal TikTok. Je fais un reveal de mes TikTok. Déjà ils aiment bien. C'est vrai? Ils aiment bien regarder les gens. Ça c'est pas ouf. Je next. Il fait quoi là? Tu laisses l'autocliqueur toute la nuit. Oui, c'est de la merde ça. De la merde. C'est nul. Oh, il est nul mon TikTok en fait. Ouais, il est tout ça. Mais il y a un cul. Qui c'est? Qui est cette dame? Non, c'est pas vrai. Ça va les petits gars? Ben je vous retrouve pour cette fin de vlog. On voit pas mes petites culottes. Je me cache. On se met à l'aise ici. Non mais les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était un petit peu le bordel. On a fait de tout et de... C'est le bordel. Je vais m'occuper de la vidéo vendredi, pour vendredi. Parce que là je vais partir à Deauville. Je pense que vous aurez déjà vu les petits moments à Deauville, parce que je les mets juste avant. Pourquoi je suis essoufflée? Pourquoi je suis... C'est soufflé, genre je parle et je suis soufflée. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vlogs, mais je sais que vous kiffez les vlogs, je sais très bien. Mais moi je kiffe. Regardez mon nouveau tatou, encore un nouveau. Bah, de toute façon, vous l'avez vu. Juste, en gros c'est 1999, bah, c'est la date de naissance de ma soeur. Elle a fait 97. Sauf qu'en gros, le problème c'est que si... Ah oui, si vous voyez comme ça, ça fait 666. C'est le truc du diable ça, non? Donc, m'approchez pas. Du coup, voilà les petits gars, je finis ce petit vlog avec vous. J'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je suis toujours là. Je vous fais des gros bisous les gars.